Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier pour une petite vidéo Astus Minute, comme dirait l'atelier Floki. Chose que j'ai oublié de vous dire, un truc que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo précédente sur le dégauchissage, et une astuce que je partage avec vous. Alors, la première chose, c'est que nos pièces de bois, si on les dégauchit, c'est généralement parce qu'elles sont gauches. Ok, alors, vous allez pouvoir rencontrer un cas de figure. Vous voyez ma planche ici, si j'appuie d'un côté ou de l'autre, on sent qu'elle cliquote, on entend qu'elle cliquote. Et si je la retourne, elle ne cliquote plus. C'est simplement dû au fait que ma pièce de bois, elle fait une bosse. Okay. Cette bosse, on va toujours la mettre vers le haut, de manière à ne pas avoir ce mouvement de ballon quand on dégauchit. On va mettre la bosse vers le haut de manière à ce qu'elle soit bien en appui sur ces deux points de contact, devant et derrière, et on va pouvoir ainsi la dégauchir. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Un truc que moi, je fais quand je dégauchis, c'est que, comme vous venez de le voir ici en début de vidéo, je dégauchis et je passe tout de suite au dressage de champ. Ce qui veut dire que j'ai réglé mon capot protecteur de manière à permettre le passage de ma pièce directement. Donc ça veut dire que j'ai ici un espace qui est libre. Alors, ce n'est pas une très bonne idée, parce que quand on dégauchit, ben voilà, si je viens me mettre ici et que ma main glisse, je pourrais venir en contact avec l'arc de ma raboteuse. Donc ce que je fais, c'est que je recule mon guide le plus loin possible. Je travaille en dégauchissage de ce côté-ci de ma table et puis je vais dresser mon champ de l'autre côté. Donc je m'éloigne de la zone qui est dangereuse quand je travaille en dégauchissage. C'est une astuce que je vous partage parce que c'est la façon avec laquelle je travaille. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré la bonne façon de faire en sécurité. Vous le savez, vous le faites, vous ne le faites pas. C'est à vous de choisir. Vous le ferez sous votre propre responsabilité. Par contre, l'orientation de la pièce de bois, c'est important. Donc, faire en sorte d'avoir une pièce de bois qui soit stable sur sa table. Vous pouvez également regarder le sens des fibres. Si vous avez, par exemple, je vais me rapprocher un petit peu, vous montrer, celle-ci, c'est une pièce de bois qui est très propre, hein, mais si vous aviez vos fibres qui iraient dans ce sens-là, par exemple, quand la lame de la raboteuse elle va venir ici, vous allez avoir des arrachements parce que vous allez travailler à contre-fil. Donc ce sera préférable à ce moment-là de mettre la pièce de bois dans l'autre sens. Vous aurez vos fibres qui seront comme ça. Et donc la raboteuse va travailler dans le même sens que les fibres. Elle va coucher les fibres plutôt que de les arracher. Et vous aurez un meilleur résultat au final. Voilà, j'espère que je vous ai partagé quelque chose d'intéressant en plus sur cette façon d'utiliser la dégauchisseuse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve donc dimanche prochain, dimanche qui arrive, pour parler de la raboteuse comme je vous l'ai promis. Allez, à très bientôt, à ciao !